juste à cause des pillages qui ont commencé dans la nuit. Alors. Mais tout le reste. Attendez. Les gens qui gardaient la tête. Ricky, Ricky, Ricky. Un joli petit Ricky. Hey, Ricky, je. J'ai un service à te demander. Ouais, Dick, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos du bras de Boozer. J'ai vu le crochet que tu lui as fabriqué et il est super. Mais tu crois pas que ce serait mieux si, à la place d'un crochet, il avait, je sais pas moi, un genre de lame, un truc tranchant comme un couteau? Qu'est-ce que t'en dis? Oh, une seconde. Oh, aide-moi, merci. Mais... Désolée. Donc, donc tu voudrais que je... Que je fabrique une prothèse tranchante pour Boozer. Ouais, je me suis dit que ça lui remonterait le moral, qu'il se sentirait un peu plus... Et que ce soit une arme ambulante. Je l'aurais pas dit comme ça, mais... Ils sont un peu cons, là. Je trouve que c'est une super idée. Je vais voir de quoi j'ai besoin et je te donne la liste par radio. Ça te va? Ok. Cool. Il s'est senti tout débile là. Ok, bon, alors. Dick, je suis très inquiète. Qu'est-ce qui se passe, Ricky? Les jumelles Butler, Abigail et Gabby. Tu les connais? Non, pas vraiment, juste de vue. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont parties pêcher hier et on les a pas revues. Les rives du lac sont plutôt sûres, tu sais. Du moment qu'elles ont pas approché le marais. Le souci, c'est qu'elles pêchaient pas à Lost Lake. Elles étaient à l'est, vers la Metolius. Elles sont dingues ou quoi? Ok, ok, bon, je vais essayer de les retrouver. Deacon, merci, vraiment. Mais y a pas de quoi. Juste ça parce que c'est toi, Ricky. Ça avait été quelqu'un d'autre. Ouais, pas fait. Un petit instant, j'ouvre le portail. Ok, alors, du coup, là. Je pense qu'elle va m'envoyer les détails du truc par radio après. Ici Radio Libre, la vérité vous libérera. Aujourd'hui, je vais vous parler de drogue. Je suis pas très fan. De drogue, mais il s'arrive. Ça rend un petit instable et silencieux. En 96, la CIA a été accusée de dealer de la cocaïne en Amérique centrale. Tu peux me dire d'autres? Avant que tout parte en cacahuète, la famille aimait bien aller pêcher, toujours au même endroit. Je te l'ai indiqué sur la carte. Ok, je vais commencer par là, terminé. Ouais, ils se sont fait enlever. Ok. Par là. Bordel. Je les entends. Ils sont un peu plus loin. Comme toi, je demande pas. Terminé. Allez bien. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Une lame, un tube en métal et de la ferraille. Oh la vache. Ah, un tube en métal. Je peux pas prendre n'importe quel tube. Il faut que je le fasse. Je vais buter, Drifter. Ouais, tu vas rien buter du tout. Marion Fox. Je vais trouver ce qu'il me faut là-bas.
pareil. Ah oui, espèce de débile, t'as ramené du monde là. Non, ça je veux pas. Je te prends ça. Donc je vais te prendre ça. C'est bon là? Oh, ça va me faire plein de viande, c'est cool. Ouais, la viande. On va se mettre un peu de soin. Voilà, peut attendre un petit peu, hein, à réussir à survivre jusque là. Hein. Moi je fais le plein de viande là. Hein. J'ai besoin de thunes et j'ai besoin de trucs là. Je crois que c'est du respect ou je sais plus quoi. C'était qui ça? Ah merde, j'ai pas vu lui. Merde. Ah, ouais, j'ai plus de silencieux. Un petit loup. Tiens, j'ai eu plein de viande là, du coup, c'est génial ça. Oh, pas ça! C'est pas trop tôt, hein, saloperie. Oreille de grouilleur. Non, ça c'est nul. Ok. J'ai mangé la porte en pleine gueule. Faut juste qu'on te ramène au camp. Allez, allez. Mais bon, tu sais, c'est la vie, quoi. C'est. Non, non. En plus, des zombies. Toute seule. Bon, là, c'était okay. Des hommes, mais bon, okay. Des zombies. Tu vis dans un monde avec des zombies. Forcément, qu'il y a la mort partout. Bah, je sais pas. Faut grandir un peu, madame. Hein. Ferraille, c'est bien ça. Toujours plus de ferraille. Attends, une horde à côté. Bah, j'ai cru entendre une horde à côté. Bah, je peux me tromper. Chercher la moto et on se casse. Oh oui, d'accord, super. Est-ce que j'ai réussi à aller jusqu'à là-bas avec l'essence que j'ai? Je pense que oui.
Ah bah. Quand je parlais d'une horde. Ça devait être elle, je pense. Filante là-haut. Bowser, t'es là? Ouais, Dick. Je vais finir le taf. C'est la matinée à merde. Oh putain, l'enfoiré de schizo. Je me dirais si je te faisais que ça me rendra. Qu'est-ce que tu fais? T'amuses toujours à chasser les licons du héros? Ouais. Enquête, mais ça prend du temps. Ce que je dis, c'est que tu ne devrais pas trop espérer. Terminé. Il a perdu espoir, le Boozer. Oh là là, pardon. Boozer, t'es beau? C'est Dick. Et tu viens de lui parler. Dick, c'est toi? Merde, désolé, vieux. Je voulais pas te réveiller. Ça tombait comme une pierre quand je passe la journée à creuser des trous au fourgin. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais prendre tes nouvelles, Franca. Je voulais vérifier que t'es pas reparti en vadrouille au beau milieu d'une horde. Enfin, pas pour moi, oh là là, c'est pas possible enfin, ce soir, j'arrête pas de tousser. Ouais, faut que je dorme. J'ai un truc dans la gorge, c'est bon. Terminé. Esclavagisme là. Oh là là. Oh, je suis vraiment désolé. La moto, c'est pas la peine. Par contre, le temps il passe pas ou. Je sais pas combien de temps que je suis en huile. Je sais pas quelle vitesse il passe en fait le temps sur ce jeu. Salut Dick, où est ton elle est traumatisée, plus que les autres, j'imagine. C'est tout ce que ça fait de perdre quelqu'un, j'imagine. Sans doute. Ouais, la pousse qui. Où tu te caches, tu bon métal. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh non, je me demande s'ils ont laissé quelque chose d'intéressant. Ça, c'était une boîte de clous. Joli, en pleine tête. Ouais, ça va le faire. Ok. Une lame. Où je vais dénicher une lame? Attends, attends. Est-ce que j'ai vu un magasin d'articles de sport déjà?
attends, je vais juste faire un truc parce que j'ai vu que je n'ai plus beaucoup d'essence là. Et j'ai vu un bidon d'essence juste là. Bidon d'essence. Ça peut toujours servir de faire le plein. Histoire que je me trouve pas dans la merde juste après. Un peu de chance, j'ai pas de zombies. Il n'y a pas l'air d'avoir de zombies. Ah, mais normalement, j'ai déjà tout vidé ici. Donc, Là, voilà. Ouais, je comprends mieux. Bon. C'est un machin là, tétard. Voilà. Ok. De la ferraille. Et maintenant? Ah bah maintenant j'ai plus rien à faire, donc du coup je vais aller voir Tuck. Ça me paraît pas mal, je vais faire ça comme ça. Avec un peu de chance, il va me rapprocher du camp là, donc du coup, ça sera juste parfait. Viens, plein de gars. Je reviendrai plus tard pour finir de brûler les nids. Mais comment ça, pour finir de brûler les nids? T'as tout brûlé, mec. Y'a plus aucun nid ici. J'ai tout brûlé. J'avais pas fait gaffe, c'était par là que je devais aller. Pas que j'oublie de faire les hordes aussi vers la fin quand je serai bien stuff. Pas pour l'instant en tout cas. Et bon, ça je le répète à chaque fois, à chaque épisode je le répète. Je serai bien stuff, ça partira sur les hordes. Je le ferai à 100% je pense le jeu, parce qu'il est vraiment sympa à jouer, donc j'aurai pas de problème à le faire à 100% sûr. Ça me déplaira pas. Mutant contre maraudeur, c'est ça. Entretuez-vous les gars. Oui, t'inquiète, je vais te buter, toi. Voilà. Bah, tu te tais maintenant. Deacon St. John, tu me reçois? Ouais, Mike, 5 sur 5. Mike, il m'a raconté mon gamin. Je voulais juste. Je tenais à te remercier, quoi. Cette môme, je la connais depuis qu'elle est haute comme trois pommes. Ouais. On y retourne. De rien, Mike. Je regrette d'avoir rien pu faire pour Abigail. T'as fait de ton mieux. Merci encore. À
pas plus, Dick. Tant que tu sois des nôtres, on est bien. Oh, il est content que je sois avec lui. C'est bon, ouvrez-lui. Salut, Deacon, c'est ça? Hey, ouais, c'est ça, mec. T'arrives à garder les mains propres. Ok, je m'occupe de tout. Ok, go. Qu'est-ce que tu veux? Dick, merci. J'ai pas compris pourquoi elle a fait un rond. Tu te souviens de l'arsène? Désolé, je bois un coup. Parce que j'ai toujours mon truc dans la gorge. Ouais, je me souviens. Bah, il y est retourné pour voir ce qu'il pouvait trouver. Il est toujours pas revenu. On pense qu'il est tombé sur un groupe de drifters qui rôdent du côté de Belknap. Merde, il a été vu où pour la dernière fois? Dans un bâtiment à l'est de la ville, le hall de Wagon Hotel. Ouais, je vois lequel c'est. Merci, Dick. Ça m'aiderait bien. J'ai 9500 bagues ici. Sérieux? Deacon, tout va comme tu veux, quoi? Hé, hey, Alkaï, viens voir ce que t'as de beau. Quand je serai niveau 3, faudra que je prenne ça. Et ça. Mais là, j'y suis pas encore. Hein. Merci. Bien, mec. Je peux faire autre chose pour toi? Et voilà, comme neuf. Ça devrait bien t'aider, ça. T'as besoin d'autre chose? Besoin d'autre chose? Si t'as besoin d'autre chose, je suis là. Si tu cherches un truc, je suis là. Ok, mec. J'ai compris, mec. Tu viens pour ta moto, c'est ça? Ouais, bon. Hey, Dick. Ça faisait un bail, dis donc. Ouais, Boozer et moi, on a décidé de passer un peu de temps à l'hostel. Ça me ferait du 30... Ouais, ça ne montera pas énorme. Leur fais pas de cadeau, Dick. Ça, par contre, ça peut faire pas mal, mais je vais le garder pour Iron Mike. Je vais patrouiller un peu dans le coin. Il faut que je monte niveau... Je sais pas combien je suis. Niveau 2, je crois. Deux secondes, j'ouvre les portes. Là, j'ai 9500 balles, ça va. Si je fais des missions ici, ça va vite monter. Alors, je sais plus ce que je dois faire. Aussi, il y a une nana qui s'est fait enlever par des drifters, je crois. Ouais, un truc comme ça. Je me souviens bien. Bon, du coup, encore un camp de drifters à défoncer, quoi. C'est pas les maraudeurs, c'est les drifters. J'ai eu les deux. Allez, allez, allez! J'en ai eu un, et le deuxième, il a pris la balle pour l'autre. Allez! Je suis là! Mortel!
Fais dodo. Aussi. Et le dernier monsieur, il est là où? Lui, il a pris la balle de l'autre, en fait. Il a pris la balle de celui-là. J'ai vu quelque chose. T'as rien vu du tout. T'es mort. Ah non, faut le sauver. Hé, Larsen, ça va? Tu tiens le coup? Saint John, je voulais juste aller en ville, boire un coup, traîner entre potes. Je te détache vite fait. Tu fous le camp ici. Faut pas me le dire deux fois. Je sais pas d'où tu débarques, mais... Oh, putain. Allez, file. Sans me prendre une seule balle. Descente en ville, Hot Springs, protéger les plus faibles. Okay. Pas forcément besoin. Hop, on se casse. Ok. Il y a une horde pas loin. On va faire la mission, hein. Go, go, go! Je l'avais oublié ce tunnel. Tuck, t'es là? J'ai trouvé Larsen, il devrait bientôt rentrer à Hot Springs. Bien joué. Je vais envoyer Al-Kyle à temps. On a repéré d'autres Reapers au nord qui se dirigeaient vers Benlam. On va avoir besoin de tout le monde. Terminé. Jeek, ici Tucker. C'est pas une horde là, normalement. Tuck, salut. Je verrai quand je peux venir. Terminé. Je fasse gaffe. Il me semble qu'il y a une horde dans le coin. Bah non, finalement, il n'y a pas de horde dans le coin. Pensais, mais en fait non. Ça m'arrange. Par contre, la pluie voit que dalle. Hein. C'est abusé. S'il y a une horde devant moi, je la verrai pas. Ah, je me fie seulement à ce que je vois sur la map, sur la minimap. C'est juste que je ce que je regarde. Ok, bon là au moins ça s'arrêtait de pleuvoir. Donc je devrais avoir plus de visibilité. C'est déjà pas mal.
parce que j'ai chaud, c'est horrible. J'ai beaucoup trop chaud. Fasse gaffe parce que je crois qu'il y a une horde aussi par loin. Non, c'est pas là, ça allait de l'autre côté alors. Ça allait pas là. Hey, regarde, y a quelqu'un. Oui, c'est moi, c'est toujours moi. Il y a que moi qui viens. Vous avez pas de potes, les mecs, hein. Calmez-vous. Dès qu'il voit quelqu'un, hein, il stresse. Salut. J'ai trouvé ces pièces dont t'avais besoin. Super. Bah, repasse plus tard et je vais voir ce que je peux faire. Ricky. Merci. Ouais, vous aurez des notes maintenant. Juste Boozer, toi tu l'es pas, toi. Toi t'es qu'une grosse merde. Ouais. Et du coup, je suis passé deux là. Oh non, il me manque 100 points. 91 points, il me manque. Ça va? Ça, c'est pas de l'arnaque. Bien, je le récolte. C'est tout pour aujourd'hui. On va passer niveau 2. Hein. En speed. Là, je pourrais aller chercher d'autres armes. J'entends une horde. A chaque fois ici, j'en entends une. C'est abusé. Niveau 2 normalement, parfait. Là, je peux aller chercher la nouvelle arme. J'ai 7 800 $. Encore mieux. Dick, comment va ton film préféré? Elle me drague, elle, c'est pas possible. M50. Ok. Balles dans le chargeur, c'est chiant. On va prendre celui-là. Je rembourse pas, histoire que ce soit clair. Je rembourse pas, meuf. Je demande pas de rembourser. Ouais, sympa. Hop. Ouais, hop. C'est pas mal. Ouais. Ok. Oh, ok. Beau matos. Ouais, je sais. À chaque fois, je vais la faire ça, l'os. Alors. Non, celui-là, on s'en fout. Je suis plutôt bien pour l'instant. Parler à Ricky. En fait, la meuf, elle est amoureuse de moi, c'est pas possible. Dick, Dieu merci. Ricky, qu'est-ce qui se passe? Tu connais un certain Joshua Harper? Harper? Ouais, je le connais. Je suis toujours méfié de ce fils de pute. Il portait un bandana sur sa tête comme s'il se prenait pour un putain de hipster, tu vois? Ouais, bah ton instinct t'avait pas trompé. Il a tiré dans le dos de Dan Lane, après avoir perdu aux cartes, et il s'est tiré. Oh l'enfoiré, où est-ce qu'il est? Une patrouille l'a vu partir vers le nord. Ils ont eu trop peur pour l'approcher. Je pense qu'il va rejoindre un groupe de drifters. J'ai vraiment besoin de ton aide sur ce coup. Ok, je m'en occupe. J'ai noté l'endroit où ils l'ont vu sur ta carte. Merci, Dick. Ok. Attends. Parce que j'ai vu que là, je n'ai plus beaucoup de... essence. Donc, hein. J'ai des trucs sympas en stock aujourd'hui. Buzz, tout va bien sur le camp?
ça... Ah, je peux mettre des sacs. Ouh, oui, je peux mettre des sacs en plus. C'est génial. Solide et bien fini. T'avais besoin d'autre chose ? Ok. Il y a une autre gueule maintenant. Ok, ça aussi je pourrais. Oh oui, un peu plus de nitro. Il me faut pas mal de thunes là. Hein. Ok. Bah, on va chercher de la thune. Hein, on va chercher un peu de thunes. La thunasse. Je devrais bientôt avoir du nouveau matos, je dis pas. Ah, par contre, on est en plein jour. Pourquoi il a sauté? Ils sont complètement dégoûtés, ces PNJ ici. J'arrive tout de suite, Deacon, terminé. Ah non, je viens de partir. On reviendra plus tard. Donc il y a moyen qu'on trouve un camp de drifters pas loin de là où on va. Par contre, ah ok. Ok, Harp et ses hommes sont en route pour le concret, Cabot. T'es sûr que tu peux gérer? À ton avis. Oh, je voulais juste vérifier. Et, terminé. Tu vas pas faire ton difficile, d'accord? Oh putain. Allez-y les gars, c'est mieux faire mon boulot à ma place, c'est moi qui vais vous arrêter. Bon bah allez-y hein. Non, au final j'aurais rien à faire. J'entends des coups de feu. Non non enfin si y a une meute qui lui est tombée dessus à mon bras. Bon bah ramène-moi son foulard. Ouais ok, bon il risque d'être un peu taché mais ça marche, pas de problème. Ah il sera plus que taché là. Vas-y, fais-toi fumer. Bon débat. C'est débutant. Bon appétit, les gars. Et moi, je vais venir, je vais récolter toutes ces oreilles, là. Tranquillou. Rien à faire. Confiance augmentée quand derrière moi, confiance. Mais ouais. Donc t'as su que j'étais là. Par contre, elle là. Arrêtez de tirer comme un débile. Glante. Bon, bah merci pour les oreilles les gars. Ça fait plaisir. Voilà, c'est bon. Oh putain, c'est répugnant. Bon bah go, on retourne à la base. Hop. Allez, maintenant, retourne voir Ricky pour me faire verser mes crédits.
J'ai rien eu à faire, pas une seule, enfin si une balle de tirer. Deux balles, non une, parce que, oui une. La beuglante je l'ai eu à... en mode discret. Donc une balle de tirer. J'ai rien eu besoin de faire. Il y a juste... ça là, ça dégage. Espérons qu'il ne me vise pas. Il a essayé de me viser, hein. Enfoiré. Est-ce qu'il va sauter, lui, ou quoi? Non, là, il saute pas. Complètement débile. Je suis à 50 km de lui, il saute. Je suis en face de lui, je lui roule presque dessus. Pas un mouvement. Rien. Même pas un battement de cible, je pense. Un bonhomme le mec. Juste là au milieu okay. De ce creux. Ouais. Ok, c'est bon. Je finis juste de la fixer. Ouais, voilà, c'est mieux. Ok. Eh hey, bon. Mec, vise un peu cette camelote. Ricky m'a fait ce joujou. C'était l'idée de Dickon. T'as carrément en fait. De la gueule, Boozer. Hey, hey, je ressemble à un de ces des putains de trois mousquetaires. Regarde. Oh, oh, okay. Enfoiré Reaper. Fais gaffe. Oh, oh, oh. Bah, c'est peut-être une idée à la con, hein, en fait. Peut-être. Ok. Mon dieu. Ok. Ok. C'est pas une vie. Super. Rapporter le bandana comme preuve de mort. T'avais un truc à acheter ? Salut Ricky, voilà le bandana de Harpe. Ah, c'est répugnant. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Merci Dick, je le dirai aux proches de Dan. Ok, parfait. Parfait. C'est parfait. Et du coup... Comment ça va ? Buzz, est-ce que je peux... Oui, je peux. On va faire ça. Okay, okay. Hop. Non, ça c'était bon, ça c'était bon. Voilà, c'était ça. Ça devrait durer un moment, ça. J'aime bien celle-là. Ça. Et il me reste 900 balles. J'ai juste assez pour mettre la fourche. C'est pas de la camelote, ça. Ok, esthétique, je pense que... Oh si, j'ai pas mal de trucs. Encore un peu de toon. Ok. Un nouveau point de compétence aussi. Eh ben, ça en fait des choses, non ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Augmente de 25% l'annihilation ou un coup critique. Parfait. Requiert la compétence, règlement de compte, augmente vos chances de coup critique ou d'élimination critique. Parfait. Et du coup, bon, on va aller faire la mission là-bas.